Starfresh Morning. Starfresh Morning. Voilà. Il s'appelle Stéphane Vignac, il est manager du Métro Club. Stéphane, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Et à la fin? Bien sûr. Le Métro Club s'est situé derrière la prison? Effectivement. D'accord. C'est quoi votre projet aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on vient annoncer pas mal de trucs. Déjà, rappeler à tous ceux-là qui nous suivent depuis quelque temps que le métro est bien situé derrière la prison, juste la descente après les clans d'eau en direction du Odigégué, Balgégué, Charbonnage. Voilà. D'accord. Donc ce week-end encore, il faudrait que nos téléspectateurs qui nous suivent, je vais dire encore, sachent que tous les vendredis, oui, tous les samedis, il y a quelque chose de bon, quelque chose de particulier au métro. Donc ce vendredi, nous allons recevoir un artiste qui est Tempête du désert à partir de 22h déjà. Voilà, pour mettre un peu la chaleur ce vendredi, de l'ambiance et voilà. Chez les clients, quoi, en fait. Oui. Il va faire des prestations. Bien sûr. Ah, ok. Il va chanter la fine mandolée. Voilà. Est-ce que l'espace peut tenir l'ambiance de Tempête du désert? Parce que lui, il bouge. Le feu, hein. Oui. Il fait le feu. Oui, oui, oui. Et on a vraiment anticipé dans ce sens-là, parce qu'on sait que c'est les artistes comme ça qui soulèvent des populations. D'accord. Et le samedi, vous avez quoi de prévu? Le samedi, on a une soirée soft aussi, avec un artiste qui sera là. C'est... African Legend. Tu ne connais pas les légendes. Artistes qui Afrique, vont venir. Non, j'arrive. African Legend. Tu ne vas pas tenter ça avec nous. Hein. Tu sais non. Nous, ça va vite. On est action, réaction. Pop. Donc, il s'appelle African Legend. Il s'appelle African Legend. African Legend. D'accord. Vous avez réglé la question de la sécurité du côté du métro. Vous savez que beaucoup de gens ont peur de venir là-bas à cause de ça. Tu ne vas pas garer ta voiture et puis tu vas venir quelques minutes après. Tu finis la soirée quand tu sors comme ça. La vitre est pétée, quoi. Les vitres sont cassées. On a oui, dévalué. Ça, c'était. Comment vous faites ça, pour c'était, gérer. Ça, c'était un sentiment que les gens qui se déplacent aujourd'hui avaient le premier mois. Donc, aujourd'hui, depuis l'ouverture, on a mis un dispositif de sécurité en place qui fait qu'on travaille avec une équipe de vigiles qui sont au nombre de 5, deux portiers. Donc vous voyez qu'on a la sécurité à l'intérieur, on a la sécurité à l'extérieur. D'accord. Après, pour la sécurité des biens de nos clients, il y a aussi cette équipe-là qui veille sur les véhicules, mais qui veille tout le temps pour, sur nos clients. Depuis que vous avez ouvert le métro club, il n'y a jamais eu de problème? Pas du tout. Pas de scandale, pas de bagarre? Pas du tout. C'est quoi votre magie? La sécurité. Ah bon, hein? Rien que ça. D'accord, les gens... Et puis aussi savoir parler aux gens. D'accord, les gens, les gens, ils drinkent pas là-bas? Ça drink, non? Bien sûr. Bien sûr. Vous arrivez à les maintenir en forme? Bien sûr. Ok, c'est cool alors. Waouh, le métro club. Vous avez une promotion de fin d'année? Oui, donc la promotion a débuté dès le début du mois d'octobre. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin de décembre. Cette promotion vise à emmener les clients à consommer suffisamment, mais à payer à moindre coût. D'accord. Donc avec avec les formules 3 acheter, une offerte, par exemple. Ah, mais à la différence, c'est que nous avons encore revisité cette formule-là de manière à mettre à l'aise les clients. Non, jusque-là, on était déjà bien. tu cites encore les noms d'accord. des gens ici. Oui, c'est vrai. Oui, bon, désolé alors. Donc, une bière, par exemple, une bière qui est achetée à 2000. Si vous achetez 3, ça va vous faire 6000. D'accord. Donc, vous devez dépenser 6000 pour avoir une seule offerte. Oh. Aujourd'hui, on s'est dit que c'est un peu trop cher pour ceux-là qui veulent faire un peu la fête le week-end, déstresser tout ce qui s'est passé en semaine. Donc, nous nous sommes dit, on a mis en place 3 achetés. Mais les 3, au lieu de 6000, vous allez déjà les acheter, par exemple, à 2500. 3. Mais 3 à d'accord. 2500. Et vous avez une encore qui est offerte. C'est une formule qui est très étonnante. Je vois à la vous arrivez à rentrer dans vos fonds avec ça? Vraiment? Bien sûr. C'est étonnant, mais c'est la réalité. Mais ça marche. Ça marche, merveilleux. Mais tu donnes la stratégie aux autres, ils vont faire ça aussi chez eux. Après, il faudra aussi qu'ils fassent tous les calculs, tous les procédés, et puis qu'ils arrivent à se satisfaire de ce que nous, on gagne aujourd'hui. Bah ouais, parce que le tout, ce n'est pas de dire que est-ce que c'est rentable. C'est pas le tout. Mais quand vous faites cette promotion-là, est-ce que le confort de l'établissement aussi y suit? Bien sûr. Donc, pour toutes les personnes qui sont arrivées au métro, je vais vous lire ce qu'ils nous ressortent toujours. Ils nous disent, mais pourquoi vous avez construit un bijou comme ça derrière la prison? Pourquoi ne pas aller le faire à lui?
Mais après, les populations de derrière la prison ne méritent pas d'avoir... Et effectivement, c'est ce que nous aussi on leur dit. Les populations de lui, les populations de derrière la prison ou des AKB sont tous pareils. Pourquoi faire cette différence? Donc nous, nous nous sommes installés à derrière la prison. On a mis ce bijou-là. Mais vraiment, quand vous arrivez, le confort, le luxe, la propreté, tout est au rendez-vous. D'accord, ok. Vous avez une page Facebook? Bien sûr, le groupe Métro. Ça s'appelle comment? Le groupe Métro. Le groupe Métro. D'accord, attends que je trouve ça rapidement et puis on va voir un peu les images, le groupe Métro. Pourquoi vous avez appelé ça le Métro? Est-ce qu'il y a le Métro au Gabon? Ah oui, eux. Bien sûr, le nous. Le groupe Métro Night Club. C'est vous, hein? Oui. C'est vous le Métro du Gabon. D'accord, oui. Ok. Non, Stéphane, regarde, tu es venu le matin là pour me faire rire ou bien je ne sais pas pour me crier. Mais non, non. L'entrée n'est pas payante. Non, pas du tout. L'entrée n'est pas payante, mais vous vérifiez quand même le vestimentaire, bien la qualité sûr, des bien clients. Bien sûr. Ok. Donc, votre promotion commence quand? Elle a débuté, comme je disais déjà, depuis le début du, du mois d'octobre. Oui. Donc, va se poursuivre. Vous avez fait des sessions slam. Oui. Là, je vois... il s'appelle Gina, rappelle-moi. No. No, Slam Master No. Slam Master No, vous avez fait des sessions. Ça s'était bien passé? Merveilleusement bien passé, oui. Les clients ont apprécié le slam? Bien sûr. Et même encore qu'ils ont demandé et puis... Donc vous faites quand même un peu la vulgarisation et la promotion de la culture en fait. Effectivement, c'est un peu l'une des missions que nous nous sommes données. Ne pas faire du métro seulement l'espace détente, mais faire aussi du métro un espace promotionnel pour les jeunes talents. Ah, vous aviez aussi Tina en prestation. On devait l'avoir, mais compte tenu du couvre-feu pendant la période des élections, on a dû... Mais pourquoi vous avez les photos du Sky Life sur votre compte Facebook? On était invité là-bas. D'accord, et vous avez fait du show, quoi. Oui. D'accord, Stéphane Vignac qui est avec nous ce matin, c'est le manager du Métro Club. Il vient donc nous parler des promotions de fin d'année du Métro Club, donc les promotions sur les boissons. Oui. C'est ça. Et puis aussi les prestations des artistes. Oui, qui sont les au programme tous les vendredis et tous les samedis. Déjà pour ce week-end, on a Tempête du Désert. Voilà. Et puis le groupe Africa Club, c'est ça. African Legend. African Legend qui sera en prestation du côté du Métro Club. Rappelez-nous la situation géographique du Métro Club. Donc le métro est situé derrière la prison, la descente après le Fortune Club, en face du Fortune Club, juste après les clans d'eau. D'accord, ok. Merci à Stéphane. Y a-t-il d'autres informations qu'il faut ajouter? Juste dire que pour tous ceux-là qui veulent nous contacter ou avoir des renseignements, nous contacter au 06 99 34. D'accord. 06, tu peux rappeler? 06 99 34. Merci, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi. Et reste connecté sur les 104.5. Bien sûr. Urban FM, 104.5, la station urbaine. My money, my body, vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Fresh morning.